Ok, on est là, pas grave s'il peut pas appeler avec repos, on est de retour et on va essayer de chasser ce coup-ci un métamorphe 4 IV avec une autre méthode de chasse. Méthode de chasse qui consiste à envoyer la Bémépo sur un métamorphe qui aurait cloné un Pokémon qui n'a que le recyclage. Et ainsi, il aurait des PP à l'infini. Normalement, ça fonctionne. Non, je vais pas me faire baiser par repos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voici mon équipe. Si vous voulez, je peux retirer repos. Donc, j'ai un Trousselin. Un Trousselin qui ne possède que l'attaque recyclage. Voilà, il est jovial, peu importe. C'est un Trousselin avec uniquement l'attaque recyclage. C'est lui que le métamorphe va cloner. Ce Trousselin avec l'attaque recyclage. Donc ce qui est con, c'est qu'il va copier les stats d'un Trousselin. Alors, pour vous dire la vérité, idéalement, le Trousselin, ça aurait été bien qu'il soit niveau 1, quoi. Parce que je vais copier un Trousselin qui est quand même de type acier. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, il sera au 1 de vital direct. Voilà. J'ai mon Absol, qui lui est donc mon Pokémon de chasse, Fauchage, Cage Éclair, Larcin, Provoque. Et j'ai un Hyptomate qui a repos, passe-passe, provoque machination. Donc des trucs que quand tu te clones, ça attaque pas. Le repos est peut-être pas utilisé, mais on va utiliser le passe-passe pour lui envoyer la Bémépo qui est attachée normalement à cet Hyptomate. Voilà, objet tenu Bémépo. On va lui passer. Et comme il n'aura que l'attaque recyclage, il ne pourra faire que ça. En lui donnant la Bémépo, eh bien, il va recycler la Bémépo à l'infini. Et donc, taper... Et faire et être là à l'infini. Et être là à l'infini. Mais est-ce que l'œuf, je sais pas si en, je ferai un œuf plus tard. Bon là il sera level 50, c'est pas grave. Donc le Trousselin se fait cloner, l'Hypnomade arrive et comment il fait passe-passe. Le Absol arrive et là après ça on le met au 1 de vital. Ça va être un peu long. Et ensuite après il n'y a plus qu'à attendre que les métamorphes se pointent et à les enchaîner. Bon, c'est vrai que ça fait un peu chier. Ça va être un peu long de le mettre au 1 de vital, mais bon. C'est pas grave. Je le mettrai un peu... Pourquoi provoque? Non, j'ai juste mis au cas où le Hypnomane se fasse cloner, on sait pas trop pourquoi. J'ai mis des attaques de merde qui me déraillent pas, tu vois. Parce qu'il est quand même level 56, c'est juste pour ça. Voilà, et on va tester du coup... Combien de temps est-ce qu'on va mettre pour obtenir l'hypokémon? C'est parti, 3, 2, 1, go! Donc il faut arriver à une chaîne de 40, de 30, pardon, métamorphes pour avoir le métamorphe 4 IV. Oh putain, Hermure! Fuite. C'est bon, il est assez rapide pour fuir ici. Oui, non, mais le repos est pas grave. De toute façon, le Hypnomane n'est pas censé être cloné. Il va apparaître qu'une seule fois pour faire passe-passe. Maintenant, faut quand même que le métamorphe se pointe assez rapidement. Ah, le fameux Météno. Il est pas shiny celui-là. Le fameux Météno dont on avait parlé ici. C'est un Pokémon qui est complètement garanti, Météno. Non, c'est pas 40, c'est 30. Eh ouais. Eh ouais, je pensais que c'était 40 aussi. Mais non. À 5, t'en as 1. À 10, t'en as 2. À 20, t'en as 3. À 30, pardon, parfait. À 30, tu en as 4. Impeccable. Voici donc mon Trousselin. Je lance l'attaque recyclage. Métamorphe me morphe. Impeccable. Ah, je pourrais peut-être... c'est pas grave. Je change de Pokémon. Je mets Hypnomade. Qui, je l'espère... va faire le taf comme il faut. Je vais quand même mettre le deuxième écran. Bah, Thomas de lance-prédiction, on s'en fout. Donc là, il n'a que 5 PP recyclage. Ouais, il appelle déjà à l'aide. Tu vois pourquoi? Ça, s'il y a un Pokémon qui arrive, le Hypnomade va se faire cloner. J'ai bien fait de pas mettre des attaques au Hypnomade, hein, moi je vous le dis. Ok, je fais attaque, passe-passe au métamorphe de droite. Donc là, je vais lui passer la Bémépo. Parfait. Il morphe le Hypnomade qui ne peut rien me faire.
Je switch le Pokémon avec Absol. J'arrive à Capsule. Tu vois, il fait repos, c'est très très bien, tranquille. Et là maintenant, vous allez voir à quel point ça a été utile de faire tout ce que j'ai fait. Je vais réduire donc au 0 de vital le métamorphe qui a cloné machin. Donc c'est un peu long. Donc je réduis le métamorphe. Un vital, tu vois, pendant ce temps, celui qui est en hypnomane ne peut rien me faire. L'autre recycle à l'infini la Bémépo. C'est parfait. Le type psy et prend super efficace sur le type spectre. Et paf, je détruis mon premier métamorphe. Et voilà. C'est bon, je suis placé à présent et de 1. Et maintenant, je vais monter jusqu'à 30. Donc évidemment, pour éviter et faire en sorte qu'il appelle plus rapidement un ennemi, je vais utiliser l'orbe frousse. Et là, bah, ça serait pas mal qu'il appelle à l'aide. Voilà, et c'est parti. Comment ça, c'est pas encore opti? Comment ça, c'est pas encore opti? Stream du recyclage infini, c'est ça, c'est tout à fait ça. Allez, deuxième métamorphe qui, normalement, tant qu'il a pas imposteur, ne me fait pas chier. Je cherche un métamorphe 6V, tout à fait. C'est Ken Bogard ou c'est votre avant qui stream là? On ne sait pas. Incroyable, il chasse en étant optimisé. C'est grâce au chat tout ça. Merci beaucoup à toi, Ereden, pour les 18 mois. Mon petit coup d'orbe frousse. Allez, appelle le métamorphe. On arrive à 30 rapidement. Et quand ils auront un poster, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai très très peu de chance d'avoir un poster. Mais le dernier coup, j'en ai quand même eu deux avec un poster. Hein. Ce qui fait beaucoup. Au moins, tu vois, le métamorphe qui est censé n'avoir que 5 PP de chaque attaque. Avec la Bémépo qu'il recycle à l'infini. Eh bien, a une infinité de PP. Et du coup, ce métamorphe-là, il ne va jamais faire lutte. Mais ça peut être utile pour pas mal d'autres chaînes, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut même être utile pour toutes les chaînes de l'histoire. Hein. Et de 4. Enfin, toutes les chaînes où le mec a un recyclage au moins. Merci qui? Merci. Merci, je ne sais même pas qui. Merci, Maître Armand. Ah, ça va vite, les métamorphes arrivent, c'est beau. On va peut-être battre notre record là. Allez, on est à 5. Boum. On va peut-être battre notre record. Je rappelle, c'est les Pokémon apparus qui comptent. Donc, il y a eu le premier, deuxième, c'est le cinquième qui vient d'apparaître. MCFI qui risque le ban là. Hein. Je vous le rappelle aussi. Faites très attention. Hein. Car là, je vais attraper un autre métamorphe 4IV. Si ce métamorphe 4IV. S'avère être un 6IV, MCFI risque d'être ban. Donc ce dernier a peur. Il a une chance sur 1024 d'être ban à chaque fois que je vais faire ça. Boum! Métamorphe de mort. C'est pour la bonne cause que je serai ban. Ah, il a pas appelé à l'aide. Appelle à l'aide, s'il te plaît. Sois raisonnable. Appelle à l'aide. Fais pas ton timide. Voilà. Un ban, une chance sur 1024, les gars. Eh ouais. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive, métamorphe? Tu vois que j'ai choisi un mauvais client. Appelle à l'aide, appelle à l'aide. Mais appelle à l'aide! Me fais pas. Fais pas ton plumeline. Merci. Allez, je l'arcine. Ça continue d'appeler à l'aide. Je vais bientôt arriver à une chaîne de 10. Faut que j'arrive à 30. Il se chie dessus. Bien sûr qu'il se chie dessus. Évidemment. Je sais qu'il a peur. Je sais qu'il a peur. Je sais totalement. Cette strat est plus opti. On avait fait combien de temps pour attraper le Pokémon? Je me souviens plus combien de temps on avait fait.
Je sais même plus combien de temps on avait fait le dernier coup. Quelqu'un se souvient? Allez. Ça, ça fait 8. 25 minutes. Ouais, c'est ça, 25. Je suis à 8 là, ça monte vite. Ça monte vite, ça monte vite. Joyeux Noël au passage! Oh, 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 oh. Hop! Un petit orbe frousse, histoire de juste faire passer un tour, c'est la seule chose que je veux. 25 minutes capturé, hein. C'est le ghetto d'Azé en 25 minutes. Parfait. Un métamorphe apparaît. Je l'arcine, ça fait 9. Mon équipe gagne des points d'expérience, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que mon équipe gagne des points d'expérience. Au passage. Hein, par contre, les métamorphes n'arrivent pas très vite hein, quand même ici. Hein. Allez, allez, viens, viens, viens les métamorphes. Viens le métamorphe, viens, viens, viens. Toujours cette recherche infinie de métamorphes 4 IV. Un métamorphe apparaît, parfait. Boum! On le Cygned. Qu'est-ce que tu vas faire? Appelle à l'aide, t'as raison, appelle à l'aide. Après, j'ai peur que le Shiny arrive. Si le Shiny arrive, on est dans la merde. Parce que je vais devoir le capturer, ce qui foire toute la vidéo. Ce qui foire tout le tuto. Ça va tout foirer. Rocabo dans deux trucs. Merci Faudit pour le sub. Merci beaucoup. Il n'y a pas les Bouddhas qui apparaissent sur cette scène-là, d'ailleurs. J'attaque, j'attaque. J'attaque. Je me remets dans cette scène. Oh là, les métamorphes qui apparaissent à la vitesse de la lumière, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Regardez-moi tous ces métamorphes qui viennent se jeter. Se jeter sous mes larcins. Sisive Shiny Incoming. On y croit. On y croit à mort. J'en suis déjà à 10 là. Allez, vas-y, fais appel tes métamorphes. Appelle tes métamorphes. Appelle, appelle, appelle. Vas-y, viens, 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 viens. Fais tes recyclages. Appelle à l'aide, appelle à l'aide, appelle à l'aide, appelle à l'aide. Appelle à l'aide, appelle à l'aide, appelle à l'aide. Viens, 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 appelle à l'aide. Voilà, parfait. Foudit, ouais, les Bouddha Bouddha sont trompés de... Ça, ça fait 13. Sont trompés de scène. Désolé, je te le remets pour toi. Je te le remets pour toi. Voilà. Tu es Ken Bogard. Foudit. Merci beaucoup pour le sub. Non, non, à 50, on n'est pas sûr d'avoir 6 IV. Ça s'arrête à 4. 4, c'est le max qu'on peut avoir. Et ça arrive à 30. Ça arrive à 30, ça arrive à 30. Et de 14. 14 en 10 minutes, c'est très très bien. De rien, Faudit, de rien. Je me suis subé moi-même à ma chaîne. Ça fait combien de temps qu'il est sur ce Shiny? Je ne cherche pas le Shiny, là. Non, n'attaque pas. Je ne cherche pas du tout le Shiny là. Je cherche des métamorphes 4 IV. Parce qu'il paraît, paraît que c'est mort. Une chance sur 1024, c'est mort d'après MCFI. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas laisser ça apparaître. C'est impossible. Boum! Et le 15. Pour le moment, j'ai pas eu d'imposteur. Ce qui est plutôt cool. Métamorphe appel à l'aide. Métamorphe appel à l'aide. Crah, j'aime bien quand les métamorphes arrivent. C'est beau, c'est fluide. Boum, boum, boum. Et le 16. Impeccable. Je sens qu'on va battre un record de temps. Record absolu total de temps. S'il te plaît, appelle à l'aide, appelle à l'aide. J'en suis à 16, j'ai passé la moitié. Et je suis à 21. Mais n'oubliez pas le temps que j'ai mis pour trouver le métamorphe. Oula, oula, oula! Merci Scar pour resub. Enfin, ça a l'air d'être un bon client hein, quand même. Comment on fait pour enregistrer
un tweet sur VHS, je sais pas. De 17, toujours pas d'imposteur, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le timer en haut sert à quoi ? Sert à savoir combien de temps je fais, combien de temps je vais mettre pour attraper un métamorphe 4 IV. Combien de temps je mets ? Je cherche, c'est du speedrun. On est en speedrun et on essaye d'avoir le meilleur temps possible. Capture à l'appui. Combien de temps pour capturer un métamorphe 4 IV ? Sachant qu'évidemment, si j'ai une montée en niveau dans l'équipe, c'est pas optimisé, je perdrai du temps et tout. C'est la merde. Tout est au pif, bien sûr, tout est au pif. C'est le speedrun du pif absolu. Allez, appel à l'aide. Tout est à la RNG, il peut appeler à l'aide, il peut ne pas appeler à l'aide. Lorsqu'il appelle à l'aide, il peut se montrer un gars, il peut ne pas se montrer un gars. Ensuite, il va falloir le capturer, etc. À 30. 30 chaînes, le 4 IV. 30. Donc, vous voyez là, le métamorphe, il recycle sa BMEPO et il reprend ses PP à chaque fois, grâce à recyclage. C'est très très bien. Allez, métamorphe, merci. Il y a 13 minutes quand même. Faudrait se manier un peu le fion là. 19. Le 20e bientôt. À partir d'une chaîne de 30, j'ai un 4 IV. Une chance sur 32 d'avoir un 5 IV. Une chance sur 16 en fait d'avoir un 5 IV parce que t'as 2 chances sur 32. 2 chances, oui, 2 chances sur 32, c'est ça. Allez, appelle à l'aide, s'il te plaît. Appelle à l'aide. S'il te plaît. Donc un 5 IV, le 5 IV, une chance sur 16, on va l'avoir le 5 IV, c'est sûr. Ah, il est beau. Il est beau ce métamorphe, qu'est-ce qu'il est beau. Attaque, larcin, et de 20. Voilà, on est à 20. Donc là, à 20, on a un métamorphe qui a 3 IV à 31, c'est sûr. Donc le prochain aura 3 IV à 31. Ah, cette montée en niveau qui fait perdre du temps, c'est pas opti. Pas du tout opti. Appel à l'aide? Oui. Boum, il apparaît. Câble. 21. Ah, c'est beau. C'est beau l'e-sport quand même. C'est tellement beau le e-sport. Magnifique. Quelle beauté. Quelle beauté. C'est Noël, c'est la beauté. Viens mon gars, viens. Oh là là, ils apparaissent en chaîne. Désactive le multi-exp après, j'avoue. Ça, j'avoue, ça sera plus rentable. Allez, de 22. On est bien, on est bien. On se rapproche du but. On se rapproche du but. On se rapproche du but. Le Duisport. Ah, parfait. 15 minutes quand même, hein. Je pensais que je gagnerais plus de temps avec ces trucs de BMEPO. Je pense pas que je vais gagner tant de temps que ça finalement par rapport à mon précédent record. Ah, c'est beau quand ça arrive vite. C'est surtout le hasard, hein, que le métamorphe arrive vite ou pas. Allez, 24. On se rapproche des 30, les gars. On se rapproche des 30, les gars. Allez, oh là là, il est bon, il est bien. Il est friable, ce métamorphe. Il me fait plaisir, il enchaîne. Oh, dommage. Personne n'est venu à la rescousse. Je regaspille une orbe frousse, qui n'est pas gaspillée, de toute façon. Ouais, j'avoue, c'est moins chiant qu'avant. Ça va vite, c'est vachement plus fluide. Ah, regardez comment ça va. Merci, Cards, pour le sub. Ah, merci beaucoup, un vrai sub. Paix, amour. Bienvenue dans la confrérie des speedrunners de Métamorph. C'est ça, pète, Métamorph, pète, crève. Oh là là, ils arrivent à la vitesse de la lumière, c'est beau. C'est tellement beau. Regardez ça. Et de 26. Boum. Oh, il n'y en a eu aucun qui a eu un poster en plus. C'est tellement idéal. Non, j'ai pas eu Quatermac. Là, on essaye de ban MC Fi, c'est tout, c'est le but de notre vie. Et s'il te plaît, fais venir tes potes, là. Fais venir tes potes, fais venir tes potes. J'en ai tué 26, ce qui veut dire que ça, c'est le 27e arrivé. Voilà, 27e arrivé. Boum.
27ème arrivé, je le tue. Impeccable. Allez, fais venir ça. Fais venir ça, fais venir ça. Arrive, 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 arrive. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau, le jeu vidéo. Je le tue. Tue seulement. Il est de 28. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Incroyable, mais vrai. 17 minutes seulement. C'est mort qui disait, c'est mort. Tu vas prendre un ban, il va voir si c'est mort. Regardez ça, le 28ème est là. On sent qu'ils viennent pour se faire tuer. On sent qu'ils ont envie. Je suis sûr que le 30ème, il va être shiny, 6IV. Et je vais être obligé de ban MCFI à vie. Il ne pourra plus jamais revenir. Et là, MCFI se chie dessus, là, il se dit. Putain, putain, putain. Tu vas voir à quel point Pokémon est un jeu dont la RNG rend justice au monde entier. Alors, je vais quand même passer les 20 minutes. Allez, viens, arrive, 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 arrive. Après, j'avais trouvé le métamorphe un peu avant. Oh, c'est parfait, c'est tellement parfait. Donc là, voilà, c'est bon. Le prochain, il est bon. Là, j'en ai tué 30. Donc là, normalement, c'est le 30ème. Celui-là, je pouvais le capturer. J'ai choisi d'attendre le prochain. Le prochain, il est bon. Là, j'en ai tué 30. Donc ça, c'est le 31ème arrivé. Oh, il est pas shiny, dommage. Ça aurait été beau, ça aurait été fait un bon effet. Il a pas un poster. Impeccable, je le cache éclair. Et on va le capturer. Notez, il arrive. 18 minutes, il est là. Comment ça, échauffement? Qu'est-ce que cette merde? Métamorphe utilise morphing. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Poursuit l'absurde. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été cache éclair? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Cache éclair, moi le... Voilà, il est paralysé, merci. C'est bien, t'as qu'à utiliser Arsene, j'en ai un à foutre. Voilà, on tue l'autre connard. Voilà, donc le métamorphe qui a machin, boum, on le kill. Impeccable. Hop. Métamorphe, machin, je sais pas, j'en ai un à foutre. Je le fauche, attention. Faut quand même aller assez vite pour le capturer. Petit coup de l'Arsene, c'est bien, c'est beau, c'est beau, t'es beau. C'est beau. Deuxième coup de l'Arsene. Deuxième coup de phare dans le fauchage. Voilà, il est fauché, il est paralysé. Boum. Nickel. Cage éclair, rien. Hop, je lance ma Pokéball. 20 minutes hype. 20 minutes hype, 20 minutes hype, 20 minutes hype. 20 minutes hype. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Non. Non, 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 non. Connard, 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 connard. Oh, il m'a tout foiré. Ah, il m'a tout foiré, il m'a tout foiré, il m'a tout foiré. Le speedrun, reset. Et voilà, et ben voilà, voilà, 20 minutes 10. Coach critique juste après. Coach critique. Coach critique, coach critique. Pff. 20 minutes 10. Capture critique juste après, quoi. Pff. Oh là là, la hype est totale, mon gars. La hype est totale. C'était juste pour pas faire le 20 minutes. C'est pas pour pas faire le sub 20. Pour pas faire le sub 20, paf, il me chie à la gueule. C'est le multi esp qui me ruine, j'avoue. Boum. Et là, on va le juger. On le juge. C'est parti, se métamorphe. Eh mon gars, t'as vu? Regarde MCFI, t'as vu à quoi t'es passé du ban? Regarde à quoi t'es passé du ban. Regarde. Regarde à quoi t'es passé du ban. Ok. T'es passé à ça du ban. Là, il y a 10 IV là. Il y en a 10 en tout. T'es passé à 10 IV du ban. Franchement, il est... Tu peux brider avec ça. Tu peux brider toute ta vie avec ça. Toute ta vie, tu brides avec ça. En plus, il a l'attaque SP. Tu vois, il est bon en PV. Toute ta vie, tu brides n'importe quel Pokémon avec ça. Il n'est pas le best du best.
Bon, maintenant, je vous pose la question. J'ai mis 20 minutes de merde à capturer ce métamorphe, qui est quand même un métamorphe assez parfait. Et qui est... Il est quoi ? Il est solo. Ce qui est bien de la merde. Solo, c'est quand même un peu de la merde. Il est solo. Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais attendez. Il a quoi ? Il a 25. Il a 25 IV en PV. C'est bien quand même. Et 25 en attaque. Qu'est-ce qu'on fait ? Imagine, t'as tué un 6 IV avant. C'est possible, c'est possible. C'est possible, mais on ne peut le savoir que quand on le capture, donc c'est pas grave. On recommence. Retente. Go un deuxième. On veut le ban de MCFI. Allez hop, c'est reparti. 20 minutes, qu'est-ce que c'est dans une vie ? C'est que dalle. Que dalle, mon gars. Que dalle. Que dalle. Voilà, vous avez une méthode donc facile et simple pour capturer un Pokémon. Un Pokémon. Pour capturer un métamorphe avec des bons IV. Ah, vous voyez, celui-là, il a vraiment des bons IV, le métamorphe. Il est très très bon. Je vais le mettre là. Voilà. Déjà meilleur les IV que l'ancien. Regardez, l'ancien. L'ancien, c'était ça. C'était de la merde, on est d'accord. Celui-là, respect. C'est ma troisième capture. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer la sbire. Maintenant, vous faites tout ça chez vous. Vous le faites tous. Absolument tous. Et l'un d'entre nous aura des IV encore plus parfaits que ces IV-là. J'en suis sûr. L'un d'entre nous va pouvoir posséder le métamorphe 6 IV. Le vrai, le seul, l'unique. Qu'on s'échangera tous ensuite pour créer des vrais Pokémon de race supérieure, légit, des vrais Ariens qui ne servent à rien. Et on est là. Voilà, 20 minutes les gars, 20 minutes. Speedrun à l'appui. Speedrun à l'appui. Du coup, on va retenter. Hein. On va retenter un chrono. Hein. On va se refaire un petit chrono. Trigger. Je vais me retourner là-bas, on va Variset, on va en retenter. Hein. Qu'est-ce que c'est que 20 minutes dans une live, franchement. Après tout, il est que 22h36. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre de nos vies à part dormir ? Sincèrement. On va s'en retenter un petit. On va s'en retenter un petit. Je sauvegarde ici. J'efface mon temps. Je désactive. Le multi-exp. Je soigne mon Pokémon quand même, parce que j'ai quand même un Pokémon un poil paralysé là, c'est pas très très bien. Rien à foutre, guérison. Et on recommence. Ouais, la baie elle est mise. J'ai déjà mise en préventive, vous en faites pas. Ah oui, mais non. Par contre, non. Attendez, il y a un truc qui va pas quand même. Faut quand même que je donne... Parce que j'ai perdu des PP. Quand même que je redonne... J'aurais dû, plutôt que d'utiliser ça, j'ai été con. Ça me redonne pas des PP, les guérisons. Les animations sont déjà enlevées. Ouais, il faut que je récupère mes PP. Ok, sauvegarde. C'est parti. Allez, on est go.
Évidemment, ce qui perd beaucoup de temps, ce qui peut perdre plusieurs minutes, c'est l'arrivée du métamorphe. Ah, encore cette armure de chiasse. Depuis que je t'ai trollé, j'arrivais à rien choper. Bah voilà, je dis, faut jamais vendre la peau de du Teddy Ursa avant de l'avoir tué. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah merde, Mélo. Là, tu vois, là, c'est déjà pas opti. À partir de 30, le 4e, ouais. Je chasse Métamorphe. Allez, allez, pointe-toi. Putain. Le multi-esp est désactivé. Déjà. C'est toi le mongolo Kenshin, je l'ai désactivé le multi-exp. Vous ne m'avez même pas vu le faire, mais je l'ai fait. Ne me traitez pas de mongolo, s'il vous plaît. Alors, ça vaut bien un reset, hein, quand même. C'est pas très opti, ça. Oh là 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 là. Quel enfer. Fuite, mon gars. Ah ouais, mais la reset, regardez ça, c'est affreux. Affreux. L'ARG, ça tue le speedrun. Oh non. 2 minutes de perdu déjà, vous vous rendez compte? Juste pour trouver Métamorphe. Ah, le plus dur, c'est de trouver Métamorphe. Le plus dur, ça a toujours été de trouver Métamorphe. Reset le chrono pour YouTube. Ah putain. Et là, 20 minutes sans Métamorphe. 20 minutes sans Métamorphe. Terrible. Bah oui, mais pour moi, le temps que tu mets à trouver Métamorphe compte dans le temps de chasse. Il doit compter obligatoire en punaise. J'ai un terral avant d'avoir Métamorphe, mais t'es sérieux. Au revoir, le sub 20. Rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible, vous savez. Rien n'est impossible. Oh là là, armure, sale Pokémon. Sale Pokémon. Terral à 5% qui tombe, ouais, c'est ça, et pas de métamorphe. Putain. C'est une blague. C'est une putain de blague. Qu'est-ce qu'il fout, bordel, le métamorphe? D'accord, Métamorphe, il est pas rare ici. Putain. Le jour en a marre. Je pense que le jour en a marre. Vous voyez le temps qu'il faut pour trouver un Pokémon dans ce jeu de chiasse. Voilà le temps perdu où il est. Sur New 3DS, ça, c'est même plus rapide de reset. Allez, oh là là. Oh. 4 putains de minutes de merde. Est-ce qu'on peut choper des Shiny sur le Poké Loisir? Bonne question, j'en sais rien. C'est une blague. The fuck. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On peut? Waouh, trop cool. Qu'est-ce que tu
fous là, connard? Qu'est-ce qu'il fout là? Je tape les trucs rares et je tape pas le métamorphe. C'est quoi cette merde? C'est tous des métamorphes transformés. 5 minutes, putain. Je battrai jamais mon record du monde. Ah, le voilà, yes, yes. Allez, c'est parti. Technique de Sioux. Trousse nain, recyclage. Le morphing est fait. Pokémon Hypnomade. On change. On y croit mort. On y croit. Hypnomade utilise prédiction. C'est pas grave. Attaque, passe-passe. Il y en a qu'un. Ça va me faire gagner du temps. Pokémon Absol. On change. Boum. Absol est là. Impeccable. Utilise recyclage, on s'en fout. Fauchage. Boum. Ok, il appelle pas à l'aide, c'est normal, le fauchage n'est pas encore assez efficace. Boum. Deuxième fauchage, toujours pas à l'aide. Troisième utilisation du fauchage. Boum. Voilà, là il est loin de vital. Il appelle pas à l'aide, c'est pas grave. Hop. Orbe frousse. Orbe frousse. Recyclage, et il n'appelle pas à l'aide. Oh là là, et en plus je crois que j'ai trouvé le Pokémon le plus dissident de l'histoire. Allez, on va se battre les 20 minutes, mais on y croit. Oh là là là, le Pokémon n'appelle pas à l'aide, c'est terrible. C'est terrible. Allez, fais-moi au moins arriver un Pokémon. Parfait, le voilà le premier. Il est beau, il est incroyable, il est là. Larsin, c'est parti, la chaîne peut commencer. On est tous happés. Tous happés par la bête. Regardez, les Pokémon vont se succéder à la vitesse de la lumière. Sauf que non. Sauf que j'ai tout dans les fesses. Pourquoi le Hypnomade? Le Hypnomade sert à passe-passe. Pour lui passer la Bémépo. Afin qu'il recycle la Bémépo à l'infini. Métamorphe apparaît, je crois qu'on avait compris. Je le larcin. Boum. Impeccable. Alors, faut vraiment que je fasse un bébé de lui. J'espère que recyclage est une capacité œuf, d'ailleurs. Parce qu'avec un... Avec un... Comment? Un Trousselin niveau 1 et des stats de merde, ce sera beaucoup plus simple. Ça fait 3. Allez, appel à l'aide à l'infini. Là, c'est vrai que je suis très, très, très en retard par rapport au dernier coup. Oh là là, puis... Je sens que je vais bien me faire troller. Non, je veux pas un métamorphe Shani, je veux un métamorphe 4 IV, je veux en attraper plein. Orbe frousse. Oh là là. Je suis tellement trollé. Oh, je suis tellement trollé. Ah, enfin, métamorphe arrive. Notez que j'ai toujours pas eu de métamorphe imposteur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est bien, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est bien quand ils enchaînent. Je compte les métamorphes avec le nombre de PP d'attaque larcin que j'utilise. Quatrivé, shiny, c'est easy, faut pas s'arrêter à 30. Ouais, mais je m'en fous du shiny. C'est pas le shiny qui m'intéresse, c'est le 6IV.
Le 6IV est plus rare que le Shiny. Pour vous dire la vérité. En plus, il n'y a pas moyen de checker les IV en combat. Ça va, ça va. Là, il a fait une bonne chaîne. Bon, après, je suis à 6 à 10 minutes. Ce qui, je dois bien vous avouer, pas idéal. Pas idéal du tout. Ça permet de voir à peu près la vitesse à laquelle les Pokémon sont appelés, quoi. On remarque que 30 Pokémon sont appelés en 20 minutes environ. Donc ça fait... Ça fait un assez bon rendement. Ah, qu'est-ce que c'est un Pokémon 6IV ? L'éternelle question. Un Pokémon qui possède ses stats de base à fond. Stats de base max. Ah, c'est bien, là il y a que des métamorphes qui arrivent, c'est parfait. Pas d'imposteur, non. Allez. Je vais arriver à 10 après le prochain. Après, théoriquement, je sais pas si ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que le premier, c'est le premier SOS qui arrive, ou est-ce que le premier, c'est le premier Pokémon ? Hein, vous savez ? Quelqu'un sait quel est le numéro 1? Ah, c'est cool, là, je suis enchaîné. On peut capturer que s'il y a un seul Pokémon. Oui, on peut capturer que s'il y a un seul Pokémon. Quelqu'un sait quel est le Pokémon numéro 1 de la chaîne de SOS? Est-ce que c'est le premier que tu vois, celui que tu rencontres, ou est-ce que c'est le premier appelé? Ah, le premier Pokémon, ça n'est pas la bonne réponse. Oh non, pas cette musique. Oh là, quel enfer. Personne ne peut me répondre vraiment à ça. C'est le premier que je rencontre. Tu sais, vous dites le premier, mais à chaque fois, il y a deux premiers. C'est le premier quoi? Le premier appelé. D'accord, le premier appelé. Après, va faire confiance au chat. Test avec le 29e appelé. Le premier que tu vois, tu vois, tout le monde dit des choses différentes, bon, c'est un chat, quoi. C'est la base. Allez, ça, c'était le 13e, lui. Lui, c'est le 13e arrivé, c'est sûr. Là, c'est le 14e. 14. Ils les enchaînent bien, là, c'est cool. Ils ont pas un poster. Je tue le 14. Respecte le chat, pas en même temps. Il y en a un qui dit oui, l'autre il dit non. Et les deux sont persuadés d'avoir raison. Le premier, c'est quand il est bleu, j'avoue. Tra, j'aime bien quand il arrive vite là comme ça, c'est cool. Allez, je suis à 15, je suis à la moitié. J'ai bon espoir quand même d'arriver à 30 rapidement. J'ai pas compris pourquoi est-ce que le... Il avait pas pris ma cage éclair, le Pokémon. Enfin, c'est pas... Je l'arcine. Je l'arcine vraiment beaucoup. C'est vraiment cool. Grosse présence du larcin. Aucun Pokémon n'arrive à la rescousse, ce qui est fort dommage. Ce qui est fort déplaisant. Pour tester, capture le 29e, s'il y a 4IV qui compte. Le 29e? Bah non, le 29e, il n'aura pas 4IV. Enfin oui, je vois ce que tu veux dire, le 29e appelé, tu veux dire, c'est ça. Je vais quand même capturer le 30e appelé. Et je verrai après pour le 29e, je ferai un test. Mais je pense que c'est appelé. Oh, ils s'enchaînent vite. Qu'est-ce qu'ils s'enchaînent vite? GG à qui que tu sois. En termes de proba, c'est quoi les chances d'avoir un métamorphe shiny 6IV? Bah... Je sais pas comment tu comptes. Ça dépend comment tu comptes. La probabilité que le shiny que tu vas attraper est 6IV,
c'est presque tout le temps 1 sur 1024 parce que la probabilité que le shiny que t'attrapes est 4 IV, elle est quasiment de 90%, tu vois. Parce qu'il y a très très peu de place pour que le shiny apparaisse avant une chaîne. Si le shiny apparaît dans une chaîne entre 30 et 255, il est 4 IV forcément. Donc il y a beaucoup plus de chances que le shiny apparaisse 4 IV que pas. On va dire qu'il y a 80% de chances que le shiny apparaisse 4 IV. Donc avoir un shiny 6 IV, c'est 80% de chance d'une chance sur. On sait pas. Enfin, une chance sur 1024, quoi. Et il faut qu'il soit shiny. Après, maintenant, combien de chances il y a d'avoir un shiny 6 IV ? Il faut croiser ça avec la probabilité d'avoir un shiny. Donc probabilité d'avoir un shiny plus probabilité fois probabilité que le Pokémon shiny soit 4 IV fois probabilité d'avoir 6 IV. Donc 1 sur 1024 fois 1 sur P. On ne connaît pas le P exactement de shiny. Fois 80%. Donc peu. Mais il y a beaucoup de chances que le shiny tombe dans la plage des 4 IV. Et là, je suis en train de rattraper mon retard. Hein. Il appelle beaucoup à l'aide. Je suis à 22 là. C'est le 22e lui. Les mathématiques, c'est ma grande passion. Hop, attention à pas le tuer. Non. Alors. Il est où le gars qui efface les capacités? Il est dans le premier centre Pokémon de la première ville. Allez, appel à l'aide, appel à l'aide, appel à l'aide, appel à l'aide. Dans le stream de Fildrong, il y a des shiny 6 IV, ça doit pas être si rare, j'avoue. Fildrong, ils jouent avec des générateurs de Pokémon, donc ils s'en foutent. Ils les fabriquent, les Pokémon 6 IV, ils les ont pas dans le jeu. Ils se battent pas contre la RNG. Merci, merci. Combien de plumelines pour le shiny? 50. 50, on a eu 50. Ok. Donc, avec ta vidéo, en gros... Il y a une chance sur 1024, puissance 1024, d'avoir un 6 IV. Mais non, pas du tout, pas du tout. Vous confondez tout. Confondez tout. Il y a une chance sur 1024 d'avoir un 6 IV à partir du moment où il est 4 IV. C'est-à-dire à partir d'une chaîne de 30. Alors attendez, me déconcentrez pas trop. Merde, il a un imposteur, le bâtard. Ah, lui va me faire perdre du temps, lui. Je le fauche. Voilà, ça peut arriver. Non, non ! Ça peut arriver. Parfois que le Pokémon est imposteur. Et à ce moment-là, boum, il se transforme immédiatement dès qu'il arrive. Ce qui est bien, c'est que c'est un talent caché que tu peux voir direct, quoi. Mine de rien. Donc ça arrive, ça arrive. Le Pokémon imposteur, il arrive des fois. Il y a entre 10 et 15% de chance. Donc celui-là, celui que je tue, c'est le 26e à arriver. Pas que je me gourre dans mes comptes. Vraiment pas que je me gourre, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Ok, lui c'est le 27e. Donc je tue le 27e. Parfait. Si on regarde 24 fois la vidéo, est-ce qu'il sera 6 IV? Non. Donc lui c'est le 28e, je tue le 28e. Allez, encore deux. Et j'aurai le 4 IV. Ah merde, il est pas venu. Encore deux, encore deux. Encore deux, encore deux. Ah, allez, s'il te plaît, appelle à l'aide, je t'en supplie. Ouais, le sub 20 est mort, mais vous avez vu, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le truc. Donc là, je suis allé beaucoup plus vite qu'avant. Parfait. Ça, c'est le 29e. Je le tue et le prochain, je le capture.
Le prochain, il est bon. Le prochain, normalement, il est 4 rivets. Le prochain, c'est le 30e. Allez, viens. Appelle-le. Donc, normalement, pour le capturer, le truc le plus efficace, c'est de faucher dans un premier lieu. Je le fauche. Je le cache éclair. Je tue l'autre. J'envoie l'hyperbole. Et là, ce qui va être très efficace, c'est des bisballs, là, mon. Voilà, le voilà. C'est lui l'élu. C'est l'élu. Ah, évidemment, l'élu a un imposteur, sa merde. Chétan. Donc, je le fauche. Il m'a cage éclair, le petit bâtard. Je le cage éclair aussi. Évidemment, j'ai été cage éclair, donc je suis dans la merde. Il n'a jamais été cage éclair de toute sa vie. Je suis sous provoque, c'est merveilleux. Je l'arcine nuit. Boum. Ah, cette capture qui se transforme en véritable fake. Je suis toujours sous provoque, je le sais. Pourquoi est-ce que je gagne de l'XP? Pourquoi est-ce que j'ai pas désactivé le multi-ex? Je l'ai désactivé le multi-ex. Évidemment, il va appeler à l'aide parce qu'il est pas cage éclair. Sa mère la pute. J'ai envie de tout casser. C'est ça, morfe-toi. Sale bête. J'ai oublié provoque. Je cage éclair lui. Me faites pas provoque. Voilà, c'est bon, il est paralysé. Impeccable. Attaque. Larcin. Je tue lui. Meurs. Pourriture de communiste. Voilà, merci. Crac, tous les trolls de la terre, quoi. Et regardez, même avec ces trolls-là, à mon avis, je vais faire un temps. Boum. Hors apparition du métamorphe meilleur. Allez, rentre. 1, 2, 3. Gagné! Voilà, 22 minutes 15. Métamorphe ghetto lasé. 22 minutes 15. C'est pas ouf. Fallait pas tuer l'imposteur. C'était lui le 6IV. Non, j'ai rien à foutre de l'imposteur. Le talent imposteur m'intéresse pas. 22 minutes sont en fait 15. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps avant de trouver le métamorphe. C'est vrai. Donc là, je suis allé beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Vraiment. Maintenant, on va checker le métamorphe pour voir comment il est. Oui, j'ai buté le 30e, donc j'ai pas vraiment vérifié le truc. Le 31e est aussi 4 IV. J'ai tué l'élu. C'est vrai que j'ai tué l'élu. Ah, il est carrément moins bon quand même. Il est moins bon. Celui-ci restera quand même une petite merveille. Il est moins bon, clairement. Mais voyez, les 4 IV aussi. Je commence à en avoir, tu vois, là, avec rien qu'avec ces deux-là, j'ai pas les PV. Mais avec ces deux-là, en fait, avec les trois-là, je balaye tout le spectre des IV. Tu vois, là, j'ai la taxe P, et là, j'ai les PV. T'as les trois-là, me balaye tout. Avec ces trois-là, je peux brider un Pokémon. Ça arrivera, vous en faites pas. Ça arrivera. On l'aura un jour. Vous en faites pas. Un jour peut-être. Alors, je peux gagner encore du temps en faisant un 9 de Trousselin. Pour avoir un Trousselin level 1 afin que le métamorphe copie les stats d'un vieux Trousselin pourri que je le fauchage en un coup, je vais pouvoir gagner du temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, il reste que le Absol, ça fait chier. Parce qu'à un moment, il va forcément se morpher en Absol. Et là, ce qui a fait tout foirer, c'est que le 30e était imposteur. Tu vois, mais ce qui est sympa avec ça, c'est qu'il arrive toujours des situations différentes à chaque fois. Comment j'ai autant de baies grâce au Poké Loisir? Tu les cultives.
Donc on retentera ça, le métamorphe, la chasse du métamorphe cisivé. Mais si vous voulez le tenter vous aussi chez vous, ouais, j'ai à passer une petite heure à faire ça. J'ai déjà des métamorphes 4 IV ici. Je perds pas espoir d'avoir un 5 IV assez rapidement. Et qui sait, peut-être que le 6 IV arrivera un jour. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Voilà, allez, ça termine ce live. Je vous rappelle que le prochain Shiny que nous devons aller chasser, comme nous avons obtenu Plumeline, n'est autre que Bombidou. C'est Bombidou que l'on va aller chercher. Voilà, donc ce sera pour la prochaine chasse. Bombidou. Donc restez à l'appel. Il est mignon, il se shine bien en plus. Ça devrait être cool. On ne perd pas espoir en Carter Mac, car une fois Carter Mac terminé, nous aurons enfin la chance de pouvoir breed le foot Takagoule de chasse ultime en la présence de l'archéduc, bien entendu. Ça sera plus tard, je ne sais pas quand, on verra plus tard. On verra si je peux streamer depuis 3, mais ce sera très probablement sans webcam. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et à tous. Merci à tous les subs jusqu'à présent. Il y a Oni Illusion qui me dit: salut Ken, si tu veux ce soir je te fais ton métamorphe anglais. Tu voudras qu'on fasse comment dans ce cas? Eh bien je te recontacterai. Un coup de bigot. Voilà, on est 315 maintenant ici sur la chaîne. J'espère en tout cas que le programme d'aujourd'hui vous a plu. Vous retrouverez donc cette VOD sur YouTube si vous avez raté le truc. Donc juste la chasse métamorphe, le shiny. Et bien le let's play de Forza Horizon 3. Je vous mets tout sur YouTube et je publierai une vidéo YouTube par jour. Comme ça, vous aurez toujours des trucs YouTube à regarder. D'accord ? Voilà. Allez, je vous embrasse, bonne nuit, bonne reprise si vous n'êtes pas en vacances encore demain. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Gros bisous. Ciao, bye bye.